vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Dans un petit bout que j'ai vlogué, ben, écoutez ma résolution. Mon Dieu, j'arrête pas de mettre de la poudre de chocolat chaud, je m'arrête plus. Mais, qu'est-ce que je voulais dire, donc? Ouais, c'est ça. Ma résolution de l'année, en lien avec YouTube, c'est de faire un vlog à chaque semaine. Fait que c'est quand même déjà ça. Si j'en fais plus, j'en fais plus. Si j'en fais moins, ben, je vais avoir raté mon objectif. Mais ouais, c'est ça. On est le 17 janvier. Il est 9h25 à peu près. J'ai Quoi? Tu veux qu'on te voit? Bébé t'en couche ce matin encore? Papa. C'est papa qui a mis la couche hier? Il est parti, le papa. Il est parti, papa. Il est parti où, papa? Dans la neige. Dans la neige. Il est parti dans la neige. Il est parti au travail. Et maman, elle est rouge. Oui, maman va brasser avec de l'eau. Ça va faire un chocolat chaud à maman. Menou menou. T'as faim? Veux-tu maman te fasse à déjeuner? Ok. Viens ici, maman va. Oh, mais non, mon loup, gars, maman va mettre l'assiette ici, puis maman va te faire à déjeuner. Ok, va t'asseoir dans le salon. Maman, elle va venir porter le déjeuner. D'accord? Fait que. C'est ça. Il est 9h25. Ouais, il est 9h25. Mon Dieu, j'ai plein de choses à vous dire. Premièrement, je vous annonce que cet été, on doit s'en aller de cette maison. J'étais quand même, mon chum aussi, là, on était quand même très fâchés. Parce qu'on s'avait fait dire que, tu sais, il allait pas vendre avant 2-3 ans, là, le temps que nous, on s'achète quelque chose. Puis finalement, ben, ils vendent. La maison est en vente depuis hier. J'ai déjà 3 visites aujourd'hui. Une demain, puis une autre après-demain. Ça, c'est s'il n'y en a pas qui se rajoutent dans la journée, puis dans la semaine, puis tout ça, là, tu sais, fait que... Ouais, on était vraiment fâchés parce qu'on s'avait fait dire ça. Écoutez, on est obligé de s'en aller cet été. On sait vraiment pas où ce qu'on va. Sincèrement, si mon chum avait pas une nouvelle job, tu sais, qui nous amène genre des... un meilleur salaire, puis tout ça, meilleures conditions, puis tout ça, on serait parti à l'extérieur, là, dans les alentours de Trois-Rivières, Québec. C'est ça. Nous, on est bien attirés par déménager là un jour, parce qu'on a déjà habité un an à Trois-Rivières à peu près, puis cette ville-là, là, je l'aime assez, là. J'aime vraiment ça, Trois-Rivières. Puis Québec, ben, c'est une de mes villes. Bref, même que j'avais pensé faire construire ma maison là, dans les Laurentides, mettons. Genre, c'est vraiment trop beau les Laurentides, les gros terrains et tout ça. Mais là, mon chum viendra voir, tu sais, vient de changer de job. Puis c'est une job qui amène énormément d'avantages. Fait que... On va pas s'en aller. On va s'en aller. Je sais pas si on va déménager un jour de cette île. Mais c'est ça, là, ça, c'est ça. Fait que là, cet été, ben là, on a pas assez d'argent d'économiser. Là, même, on a rien d'économisé pour l'achat d'une maison. Écoutez, on est en processus de remboursement. En tout cas, je vous en reparlerai. Là, ce sera pas un vlog que je vais vous parler de mes épargnes, etc. Hein, mais c'est ça. On n'a pas les moyens de s'acheter une maison au niveau épargne parce qu'on veut se ramasser
un bon fonds d'urgence avant, plus la mise de fonds. Fait que nous, c'était vraiment dans 2-3 ans là, qu'on voulait s'acheter une maison et non en ce moment. Puis de toute façon, en ce moment, le marché est fou, là. Les maisons sont chères. Fait que je trouve ça à la limite ridicule de faire un achat de maison. Si on avait eu, mettons, c'est ça, l'argent pour le faire, là, j'aurais trouvé ça à la limite ridicule de le faire cette année. Fait que on attend, mais là, il faut trouver une place où aller cet été. L'idéal, ça serait de se trouver une autre maison à louer. Oh, excusez. Mais ouais, l'idéal, ça serait de se trouver une autre maison à louer. Parce que là, mec qui accepte les chiens. Parce que nous, le problème, c'est qu'on a deux gros chiens. Fait que mes deux gros chiens, là, ils font partie de la famille. C'est hors de question que on leur trouve une nouvelle famille. Là, ils font partie de la famille. Quand tu décides d'avoir des animaux, c'est pour leur vie, là, à moins qu'il arrive vraiment une grosse affaire, là. Mais tu sais, je veux dire, s'ils font partie de la famille, nos chiens, là, fait que non, c'est hors de question, là. Sinon, ça serait plus facile, ben, encore là, à cette île, il n'y a rien à louer, là. C'est vraiment difficile de se trouver quelque chose, là, que de l'allure, là. Fait que c'est ça. Fait que l'idée, ce serait de se trouver une maison à louer qui accepte les animaux et qui est assez grande, c'est pour notre petite famille qui va être quand même rendue grosse. On s'entend que deux enfants, moi, mon chum, puis mes chiens, en plus du chat, ça fait quand même une grosse famille. Maman. Ah. Chocolat chaud. Un bon chocolat chaud. Tu vas manger? Est-ce que tu vas manger? Ah! Aïe aïe! Est-ce que tu vas aller t'asseoir dans le salon? Maman termine de manger, je te fais à déjeuner après. Ok, vas-y. Donc, à cette île, une maison à louer, c'est pas trouvable. Nous, on a eu une loc il y a à peu près deux ans. Ouais, 2 ans. Ça aurait fait notre 3e année cet été, dans le fond. Ça a été une loc. Ça l'a affiché sur Facebook. En 30 secondes, j'ai envoyé un message. La journée même, on avait une visite. Puis j'ai dit ok, je la prends. Fait que avant d'habiter ici, on louait genre un appartement sur 2 étages plus un sous-sol, mais le sous-sol il est pas très habitable, là, c'est plus pour du rangement. C'est sûr que c'est pas le fun parce que dans un appartement, on s'entend. Il y a des coins, tu sais, c'est genre un coin avec plein d'appartements, genre, mais tu sais, c'est comme plein de duplex ensemble, là. Je sais pas comment appeler ça, là. Mais c'est genre un genre de une place qui a plein d'appartements comme ça, là, genre. Mais il y a des coins qui sont crottés, genre, c'est du monde vraiment... C'est aucunement familial, là. Il y a du monde qui sont vraiment, vraiment dégueulasses. Il y a d'autres coins, c'est un peu plus familial, mais on s'entend que c'est pas l'idéal, là. Mais, tu sais, ça ferait l'affaire si on a à aller là, on va y aller. Ils acceptent les animaux, puis c'est les seules places qui acceptent les animaux. À moins que là, vu qu'ils ont changé de proprio, on ait plus le droit aux animaux, mais ça m'étonnerait parce que... Il y a plein de chiens là dans ces environs, ben dans ces appartements là, parce que ma soeur, c'est là qu'elle habite. Dans le fond, ma soeur, elle a pris mon appartement quand je suis partie avec mes frères, fait que en tout cas
je suis bien découragée de ça, pour vrai, là. J'avais pas prévu de déménager, là, je peux pas faire la chambre du bébé. Je peux pas, je peux, tu sais, on va être dans les boîtes avec un nouveau-né, on va être... ça marche pas, là, genre. Maman. Je suis découragée. Maman. Maman. Maman, 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 est-ce que tu veux... Oh non, maman, t'as rentré le doigt dans l'œil. Oh non. Ah. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Je prends ça difficilement parce que on s'avait fait dire autrement, puis un mois après, la maison est en vente. Puis là, c'est à nous de gérer les visites. Faut que la maison soit propre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, ça vient difficile à gérer, là. Ben, difficile. Je veux dire, ça fait seulement une journée, là, mais... Quand même, là. C'est pas de la gomme, bébé, c'est les médicaments, maman. La bouche. Mais non, pas ça. Ça, c'est à maman, OK? C'est dangereux pour Clara. OK? Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la première nouvelle que j'ai à vous annoncer. La deuxième nouvelle est que... je vais bien. Nous allons bien, mis à part ça. Dedans? Oui, on va en mettre dedans. Oui. La grossesse va bien. Je suis rendue à... je suis rendue à... 30 semaines et... Trop... En tout cas, elle a l'impression de 30 semaines. Je sais que j'ai 3 semaines de décalé avec Vanessa. Fait quand elle a dit qu'à 33 semaines... Et un jour, genre... Non, elle, c'est le jeudi. En tout cas, bref. Pas en vrai, mais... En tout cas, j'ai 3 semaines de décalé avec Vanessa. Fait que me semble qu'elle a dit qu'elle avait 33 semaines. Ça veut dire que j'aurais 30 semaines. Ouais, c'est ça. C'est, on va le mettre dans la poubelle. Ouais. Vanessa de les vlogs de Vanessa, dans le fond. Sûrement que vous la connaissez. Sinon, ben, je vous invite à aller voir ses vlogs parce que ben, c'est ça, elle fait des vidéos un petit peu comme les miens, là, familiales. Oui. Elle dit un peu plein d'affaires. Puis, oui. Ta soeur Loulou. Les personnes qui me voient. Oh non! Ah! Ok, assieds-toi. Non. Et après ça, oh, Clara est en train de me déshabiller. Tasse-toi un petit peu. Après ça, ben écoutez, j'ai quoi d'autre à vous dire? Ben rien. Ah, oh, ben oui, je fais pas de diabète, de grossesse. Attends, maman va te donner quelque chose. Bon, fait que on a changé de place parce que, ben, j'ai coupé sec pour aller faire le déjeuner à ma fille. Puis là, il est assis dans le salon, là, super relax, sous le divan, mange son déjeuner. Le matin, nous, on prend ça super relax. Mais pour le souper, par exemple, à moins d'occasion spéciale, on veut vraiment qu'elle soupe avec nous. Là. Mais le matin, c'est ça, elle écoute ses émissions, elle mange, puis elle profite de la vie, quoi. Fait que là, c'est ça. Je sais pas ce que je disais, mais ah oui, c'est ça. La grossesse va bien, le bébé grandit bien, il bouge énormément. On a trouvé son nom. Il fallait que je convainque mon chum. Mais finalement, il est bien... il accepte, là. Tu sais, pour lui, il aurait choisi autre chose, mais finalement, il accepte. Fait que je suis bien contente parce que j'ai vraiment... J'ai comme semi-inventé un nom. Même s'il existe, mais il est rare, en tout cas bref, mais je vous le dirai pas. Je vais attendre à la naissance, même à ma famille, je ne vais pas le dire. Je vais y faire un chandail avec son nom dessus, puis à sa naissance, je vais y mettre genre ou son pyjama ou quoi que ce soit. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais y mettre à la naissance, je vais prendre une photo, une super de belle photo. Et je vais mettre ça, je vais envoyer ça à ma famille et je vais mettre ça sur Instagram parce que, ben,
J'aime bien ça mettre des photos sur Instagram, puis surtout que c'est un gros débat là, si on montre nos enfants ou non, mais tu sais, je veux dire, moi, mon Instagram, c'est... Je veux dire, j'oblige rien à mes enfants, là, tu sais. En tout cas, c'est une longue affaire, là. Ça me tente comme plus ou moins d'en jaser de ce débat-là, mais moi, pour vrai, mettre des photos de mes enfants, tu sais, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. Je suis fière, je veux les montrer. C'est impossible que je me dise jamais je vais montrer mes enfants sur les réseaux sociaux. Je suis trop fière. Je suis trop fière de les avoir dans ma vie et tout ça. Fait que je veux les montrer au monde entier. Fait que c'est ça. Si vous êtes pas d'accord, ben premièrement, je sais pas pourquoi vous écoutez mes vlogs. Puis deuxièmement, ben je suis désolée, mais moi, c'est mon avis. Fait que c'est ça. Je suis bien contente de son nom. On va commencer par l'appeler par son nom à place de dire oh, le bébé, etc. Fait que c'est le fun. Puis à Clara, on avait attendu à l'accouchement, mais finalement, c'est ça. Ça me tentait d'y trouver un nom. Là. À moins que je change d'idée, là, ça... il y a des chances que je change d'idée, là, mais. Mais comme on est sûr à très très proche de 100%. Fait que c'est ça, fait que là je me suis assise là parce que bon ben là dans le je me souviens plus ce que je voulais dire là. Ah oui, dans le dernier vlog. Fais attention Loulou, ok? Ouais, dans le dernier vlog, je vous avais dit que j'allais faire un petit récapitulatif de mes résolutions. Parce que ben moi je suis une grande rêveuse, une grande ambitieuse. Si en début d'année je me fais aucune résolution, c'est comme si que genre j'avais rien à accomplir dans ma vie, puis genre j'ai besoin de plein de projets pour être heureuse, ce qui est le contraire de mon chum là. Mon chum lui il peut aller travailler, revenir faire sa petite routine à chaque jour, puis avoir rien, tu sais, prévoir rien, puis il est bien heureux, mais moi c'est vraiment pas ça là. Il me faut plein de projets pour être heureuse, fait que je me fais tout le temps des résolutions, je m'en fais plein. Puis c'est ça. Puis à la fin de l'année, si je les ai pas faites, ben je les mets dans l'année suivante si j'ai envie de les faire. Puis sinon, ben je passe à autre chose. Tout simplement, là, je me sens pas moins bien parce que j'ai pas fait de mes résolutions. C'est juste que c'est comme si j'avais plein de projets à faire durant l'année. Fait que ça, c'est ça. Ça me rend heureuse. Ça m'occupe. Ça me permet de faire plein de choses, de faire en sorte que je réalise mes projets vu qu'ils sont écrits, tu sais. Puis moi, ben, à chaque seconde, j'ai des idées dans mon cerveau, hein. Même à chaque, je sais pas, millième de seconde, j'ai des petites idées, là. Puis là, ben, faut que je les écrive parce que sinon, mon cerveau, il est tout le temps plein. Tout le temps plein. J'ai des idées à n'en plus finir. J'ai une idée pour une entreprise, j'en ai une autre. Ça finit jamais. Fait que là, faut que j'écrive mes affaires, que je fasse le ménage, tu sais, dans ça. Parce que si je me laisse ça dans le cerveau, là, oublie ça. C'est... Sincèrement, j'ai un cerveau très, très, très désorganisé. Fait que faut que je m'organise dans cette désorganisation-là. Parce que sinon, ça va pas bien mes affaires. Fait que c'est ça. Fait que moi j'ai pris cette année, j'ai vu ça sur Instagram, là, fait que j'ai pris cet agenda-là. La compagnie c'est ça. Fait que c'est un agenda vraiment là, qui dit, c'est pour les entrepreneurs, pour eux autres qui sont plein de rêves, plein de projets, pour les grands rêveurs, pour que nos plans soient clairs, structurés, tout ça. Puis moi j'ai vraiment besoin de ça, on s'entend. Fait que, et en plus de ça,
Checkez ça, les beaux collants. Tu sais, il y en a qui s'écrit focus, motivation, moment présent, gratitude, moment pour moi, joie, je vais y arriver, rêve grand, succès, une chose à la fois. Tu sais, des remarques full positives. Ça va, Lilo? Oh, va chercher un Kleenex pour te laver les mains. Va chercher un Kleenex pour te laver les mains. Non! Oui, maman, parle! Après ça, j'ai comme résolution de m'entraîner 5 fois semaine. Puis encore là, si je le fais moins, au moins j'aurai plus bougé. Puis si j'en fais plus, ben tant mieux. Puis je le fais pas pantoute, ben gars, ça sera à l'année prochaine. Mais là, je me suis fait un petit calendrier. Attendez, là. J'ai imprimé comme l'année au complet. Puis quand je m'entraîne, je surligne. Fait qu'à date, je me suis entraînée 3 jours la semaine passée. Quand même pas si mal, là. C'est mieux que zéro. Puis je veux boire énormément plus d'eau. Fait que j'ai imprimé un calendrier aussi. Puis à chaque fois que je bois de l'eau, le minimum que je me suis dit, ben je le surligne. Fait qu'à date, là, c'est quasiment à chaque jour, là. Après ça, il y a le contrat de succès. Fait que là, il fallait choisir 3 mots-clés qui allaient me rappeler mon engagement pour cette année. Fait que j'ai choisi engagement, amour de soi et passion. Parce qu'on fait jamais rien sans passion. Hein. Surtout moi. Fait que là, j'ai écrit ici là, ma vision pour la nouvelle année, mais je vais pas le lire au complet. Là. Je vais vous résumer dans les petits points que j'ai écrits en dessous. Il fallait écrire nos objectifs principaux pour cette année. Ces temps-ci, là, elle serait assise sur moi, là, 24 heures sur 24. Là. Mais on s'entend que là, avec ma grosse bédaine, j'ai de la misère à gérer. La misère à gérer, puis la prendre dans mes bras, tout ça, tu sais. Fait que je la prends, là, mais... c'est comme... j'essaie de m'enclairer des fois parce que ça me donne des crampes dans le ventre quand j'ai trop dans les bras. Fait que bref, je vais dire vous mes objectifs principaux pour cette année. Donc, recommencer l'exercice... mieux manger, avoir une belle routine avec les enfants, fait que on essaie de continuer la routine avec Clara à chaque jour. Il y a des jours que ça se fait pas, d'autres jours que ça se fait bien. Mais je suis pas une personne de routine, j'ai de la misère avec ça, fait que mon chum lui là, il est très strict là, sur sa routine, sur la routine de Clara tout. Mais moi je viens un petit peu chambouler tout ça. Fait que je fais vraiment mon possible, là, pour vrai, mais j'ai hâte de voir avec le deuxième bébé qui arrive, là. Mais c'est ça. continuer à penser à moi. Être plus capable de dire non, ça fait encore partie de ce que j'avais entrepris l'année passée, mais je suis pas assez capable encore, fait que c'est ça. Être plus active sur YouTube, donc au moins un vlog par semaine, c'est ce que je vous disais. Prendre au sérieux mon certificat, avoir une moyenne de 80%. Je me suis inscrite dans un certificat qui va m'aider à créer mon entreprise. C'est vraiment un certificat qui te dit de A à Z là, comment créer une entreprise et tout ça. Là. Fait que je suis pas encore acceptée. Mon analyse de dossier est même pas commencée. Ça fait un bout. Mais écoutez, je comprends, là, ça a été Noël, jour de l'an, les vacances, etc. Fait que j'attends. Perdre 50 livres après l'accouchement, ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment très 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 précis là. Mais encore là, moi j'aime les choses très précises. Si j'avais juste écrit perdre du poids après l'accouchement, c'est pas assez précis pour moi, c'est trop un petit peu... c'est ça. Fait que perdre 50 livres après l'accouchement, je sais que je suis capable. Ça va aller avec recommencer l'exercice et mieux manger, tu sais. Mais encore là, si j'en perds juste, je sais pas, 10, ben au moins j'aurais perdu 10, tu sais. Je suis pas, je vais pas broyer à la fin de l'année, là, je suis pas comme ça. Rallumer la flamme avec Maxime. J'ai un peu l'impression que la flamme a s'éteint. Mais pas, non, c'est pas vrai. Pas qu'elle s'éteint. Plus que... la flamme est moins allumée. Tu sais, on embarque
avec les enfants, la routine, tout ça, ma grossesse, là, j'ai même pas envie qu'ils s'approchent de moi. J'ai même pas envie. Tu sais, des fois, oui, j'accepte qu'ils me donnent des câlins, des becs. Oui, on a encore notre tu sais, on s'amuse ensemble, on rit ensemble, on s'aime encore. Mais je veux dire, c'est ça. J'ai l'impression que la flamme est comme moins forte, puis j'ai pas envie de briser ma relation là, parce que on a comme plus ou moins fait attention à cause de notre routine, avec les enfants, à cause de plein d'affaires. Fait que j'ai pas envie de ça. Fait que mon objectif cette année, c'est de rallumer la flamme, mais pour être honnête, je crois pas que ça va se faire. Tu sais, on vit encore très bien ensemble, on s'aime encore là, super là. Mais c'est juste, je veux pas que ça dégringole. Parce que là, moi, enceinte, j'ai même pas envie qu'on m'approche. C'est ça, ça me tente pas de me faire flatter, me faire coller. Mais des fois, il va me donner un bec, mettons, puis après ça, il va vouloir me faire un câlin, puis juste comme... Hey, tu viens de me donner un bec, là, genre, arrête d'exagérer, tu sais. Mais en tout cas, c'est ça. Boire au moins 2 litres d'eau à chaque jour, c'est facile, là. C'est à peu près 2 fois et demi ça. Donc, à date, il y a des jours, il y a une journée que j'ai pas réussi. Sinon, c'est facile. Attends, Loulou. Faire des économies, mon objectif, ce serait de ramasser environ 10 000 $. Je sais que c'est possible si je fais attention à ce que je vais dépenser, etc. Je sais que c'est possible. Je suis très consciente que c'est possible. Mais on va voir à la fin de l'année. Budget respecté. Je sais pas pourquoi j'ai écrit budget respecté à place respecter mon budget. Mais en tout cas, donc respecter mon budget. Avoir au moins 10 contrats de stylisme. Si vous savez pas, je suis styliste personnelle en mode. Fait que je vous laisse mes informations en barre d'infos si vous êtes intéressé à aller voir. Je viens de commencer mon Instagram. Puis ma page Facebook, ça fait un an que je l'ai à peu près. Fait que... Mais c'est sûr que j'ai un an et demi à peu près que je l'ai. Non, fais pas des dessins dans l'agenda, maman. Mais tu sais, j'ai pas travaillé full fort là-dessus dans la dernière année. Fait qu'on s'entend que là, je fais une publication à chaque jour sur Instagram et sur Facebook pour mon stylisme. Ben, du lundi au vendredi, je fais une publication à chaque jour. Fait que tu sais, ça va aider. Fait qu'avoir au moins 10 contrats de styliste, être plus actif sur mon Instagram personnel. Oups. J'ai pas encore commencé. Fait que on va commencer éventuellement. Être plus écologique, j'ai déjà commencé, mais il y a des fois que genre je suis trop large pour rincer quelque chose puis je le jette dans la poubelle, ce qui est vraiment pas bon à faire. Là. Genre, vous pouvez me donner une claque sur la main si vous voulez. Mais être plus écologique, c'est mon objectif. Augmenter mes abonnés sur mon Facebook et mon Instagram de stylisme. En ce moment, j'ai 50 abonnés sur Instagram de mon stylisme. Tu sais, je viens de le commencer en début d'année. Fait que, en tout cas, j'aimerais ça augmenter ça, augmenter ma visibilité, faire des collaborations peut-être cette année. Non, on fait pas de dessin dans l'agenda, maman, j'ai dit. Puis Facebook, j'ai environ 500 abonnés. Fait que j'aimerais ça augmenter ça encore. Fait que voilà, ça c'est vraiment... Ok, va à terre si t'es pas contente. Non. Fait que ça c'est vraiment mes objectifs principaux. Mais là, fallait que j'écrive 3... objectifs là, vraiment que je vais me concentrer à 100% cette année. Fait que j'ai écrit améliorer ma santé financière. Donc
c'est avoir le câlin. Faire des économies, respecter mon budget, réduire mes dépenses, etc. Être active sur mes comptes, fait que sur mes réseaux sociaux, être le plus active et être une meilleure personne. Donc j'écris en étant une meilleure personne, mon rôle de mère, de conjointe, de sœur et d'amie, etc. sera meilleur. Je me sentirai mieux avec moi-même. Je vais apprendre à mieux gérer mes émotions et mes impulsivités. Si vous ne savez pas, je suis impulsive et je gère mal mes émotions. Ainsi qu'à ne plus prendre pour acquis mon amoureux. J'ai l'impression de le prendre un petit peu pour acquis des fois, puis c'est triste. Donc voilà. Clara, s'il te plaît. Fait que voilà, fait que c'est ça mes résolutions. Là, je vous ai pas dit plus en détail, là, mais tu sais. Tu sais, je peux dire pour être une meilleure personne. Mieux contrôler mes émotions, ne plus prendre Maxime pour acquis, mieux gérer mon anxiété. Clara, mieux gérer mon anxiété. Moins juger. Contrôler mes paroles méchantes. Laisser les autres avoir leurs propres rêves et objectifs. Des fois, je peux juger, genre mon chum. Mettons, il veut une collection. C'est de petites. C'est des articles Harry Potter, genre qui servent à rien. Je suis juste comme moi, mais pourquoi tu veux ça? Ça sert à rien. Mais il dit, ouais, mais je vais me faire une belle. Tu sais, dans mon bureau plus tard, je vais me faire une belle place que je vais installer mes affaires et tout ça. Je suis juste comme. Ouais, mais ça sert à rien, c'est laid. Puis. C'est juste un exemple, mais tu sais, je veux dire, je suis pas extrémiste là, dans ce que je dis, là, mais c'est des fois quand je trouve quelque chose ridicule, je vais le dire. Mais tu sais, mon chum, son objectif, là, ben, c'est correct, tu sais. Avoir plus de patience, avoir du contrôle sur moi-même et être une bonne maman. Voilà. Donc, sur ça, moi, je vais vous laisser. Que là, faut que je commence mon ménage, il est 10h. Ouais, il est 10h, fait qu'il faut que je commence mon ménage pour la visite qu'à 1h, 2h30 et 5h. Elle dit que je peux être là, mais je suis quand même un petit peu mal à l'aise d'être là. Fait que je pense que je vais demander à ma soeur d'emmener les chiens chez elle aujourd'hui, puis juste de. Oh, Clara! D'où? Je manque un peu de patience des fois. Je te dis, là, la fin de grossesse, elle me rend la vie difficile. Je suis moins patiente. Je suis moins plein d'affaires. Je veux pas que ma fille écoute de ça. Oublie les cheveux. Donne-tu un bien, maman? Ok, on va aller faire des cheveux à Clara pour être belle. Oh, t'es belle. Est-ce que t'es belle? Non, je suis pas. Hein? Ok. Fait que sur ça, je vous laisse tranquille, on se reparle, je vous redonne des nouvelles, des visites aujourd'hui et tout ça. Mais ça va vraiment avoir été un vlog pour vous expliquer mes résolutions, vous donner des petits updates. Puis si je pense à d'autres petits updates, ben je vous le dirai au courant du vlog. Fait que c'est ça. On s'entend tantôt. Dis bye. Bye à tantôt. Bisous, moi. Bon ben, première visite de fête dans la maison. Puis c'est ça, vu que je suis enceinte avec ma fille puis tout ça, les chiens, ben elle me dit, gars, reste à la maison là, reste dans le salon puis tout ça, puis ça sera pas plus stressant que ça, tu sais. Fait que maman va s'en venir s'asseoir. Ta gars, maman va parler 3 minutes avec les amis. Après ça, je vais venir jouer avec toi. Fait que là, j'ai une autre G, ce n'est pas ma maison. J'ai une autre visite dans à peu près une demi-heure. Une demi-heure 45 minutes. Une autre à 5 heures. Fait que c'est une grosse journée de visite et ça, c'est si. Il y en a pas qui se rajoutent, mais tu sais. Habituellement, c'est. Elle avertit 24 heures à l'avance, là. C'est pour être sûre, parce que ça en fait pas mal. Fait que. Non, écoute, j'ai. Je suis bien contente qu'elle m'ait dit que je suis pas obligée de sortir, là, parce qu'avec Clara, sortir plusieurs fois par jour, j'ai aucune place où aller.
Fait que c'est ça. Je suis bien contente, puis j'ai de la misère à. Oh! Dis les amis! Vous prenez toujours ma mère! Dis les amis, vous me volez ma mère! Fait que c'est ça, c'était juste pour donner un petit update. Mes chiens jappent. Ça m'énerve. Mais en tout cas. En tout cas, fait que c'est ça. Là, j'ai une petite une demi-heure pour aller faire je sais pas quoi, mais faire quelque chose. Ah, je vais aller faire continuer mon lavage, puis probablement travailler dans mes trucs là, un petit peu. Après ça, ben tu sais, je m'enferme comme dans le salon, tu sais, je veux pas être encombrante, je me sens plus ou moins bien. D'être là. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait bien mon affaire parce que je trouve ça. Oh, j'ai mal au ventre. Des fois, ça me fait ça, là. Mais c'est pas des contractions, mais c'est genre un. En tout cas. Drôle d'affaire. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça, fait que c'est juste pour vous donner des petites nouvelles. Fait que sur ça, moi, je vais faire des petites affaires en attendant l'autre visite et on se reparle un petit peu plus tard. Bon, fait que la deuxième visite est faite, youhou! Une autre chose est faite, le calvaire. Hey, là, j'ai quasiment plus de batterie. Faut que je charge ma caméra. Je suis de rien faire. Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais aller coucher Clara pour une petite sieste. La prochaine visite est à 5h. Fait que. Je pense que moi aussi, là, je vais m'écraser. Puis je vais. Mon Dieu, j'ai eu un rapport, je suis désolée. Je vais m'écraser, je vais relaxer. Je suis fatiguée. Fatiguée hier, je me suis couchée à peu près minuit et demi, 1h. Puis. Pipi. Ah oui, c'est ça. Un matin, je me suis fait réveiller très de bonne heure. À cause que la courtière m'a appelé pour dire qu'il y avait des visites qui se rajoutaient. Puis, c'est bien correct, là. Moi, je vais essayer de prendre une routine, me lever plus de bonne heure. J'aime ça, me lever de bonne heure. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Mais j'ai de la misère à le faire parce que je me couche trop tard, parce que je suis trop pris dans mes projets, je suis trop pris dans mes affaires. Donc, c'est ça. Là, Clara, elle est... Vous montrer, là, son petit setup que j'ai fait parce que je voulais pas montrer, je pense, tantôt. Regardez ça. Et dans le bac à linge, j'ai un coussin découverte. Elle joue à un jeu sur l'iPad. Puis, elle relaxe. Et là, ça va être l'heure de la sieste. Yeah! 2h37, fait que c'est ça. Puis je vais peut-être me plâtir les cheveux, je sais pas, là, ça fait des jours, voire des semaines que j'ai rien fait dans mes cheveux, que je me suis même pas maquillée, même mes sourcils seraient à faire. Là, à un moment donné, il va falloir que je recommence à prendre soin de moi au niveau physique, parce que ça fait du bien au niveau mental, on s'entend, là. Si on se maquille un petit peu, ou tu sais, ça fait du bien. Juste se préparer, les cheveux, ça fait du bien, on s'entend. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais vous montrer ma bédaine de... Je vais vous dire combien de semaines que j'ai. Tantôt, je disais 30. J'ai... Bientôt 31. Aïe, aïe. Fait que mercredi, j'ai 31 semaines, donc je suis à... 30 semaines et... Une, deux, en tout cas, 30 semaines et quelque chose, mais on va dire 31. Là. Je vais vous montrer ça, ma petite bédaine. Donc, voici ma petite bédaine. Mais ma petite, elle est quand même grosse, hein? On s'entend. Là, le brassard commence à être petit, fait que mes seins sortent un petit peu, mais ça va. Fait que... Bébé... Je vais dire son nom, mais deuxième bébé
est dedans, il grandit bien. Puis c'est ça. Bon, fait qu'il est rendu 9h moins 20. Fait que là, j'ai reçu aujourd'hui un colis. Fait qu'on va ouvrir ça ensemble avant que ma batterie lâche. Je sais quoi, c'est mon coussin, etc. que ça s'appelle. C'est pour les femmes enceintes, pour l'allaitement. Ou même si t'es pas enceinte, c'est confortable. Là. Ça permet de bien tasser, ça permet de... En tout cas, ça a beaucoup de bienfaits. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos du site. Mais c'est pas cher en plus. Là, c'est genre 100 quelques piastres, tu sais. Fait que là, j'ai bien hâte de l'essayer à soir dormir avec parce que c'est hot. Je vais peut-être mieux dormir avec ça. C'est pas bien long. Fait que c'est un coussin. Comme ça. Fait que tu sais, tu dors de même, là. Avec les jambes de Puis, pour allaiter, ben, tu sais, tu te mets de même. Puis, c'est des billes à l'intérieur. Fait que tu sais, tu peux faire ça, que ça soit plus haut quand t'allaites ou moins haut. Y a des attaches, si tu veux l'attacher. Tu l'attaches comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Tu l'attaches comme ça. Puis tu sais, tu peux coucher le bébé ici. Moi, j'ai un sleep tight, là. Fait que je pense pas que je vais faire ça. Mais tu sais, tu peux coucher le bébé comme ça. Tu peux, en tout cas, tu peux faire plein d'affaires. Puis juste quand le bébé, là, commence à s'asseoir, mais qu'il y a de la misère, là, à se tenir, là. Ben, tu sais, tu viens l'asseoir. Tu viens lasser ici, là. Tu sais. Genre là, là. Puis ça le tient. Fait que il y a plusieurs. Tu peux l'utiliser pour plusieurs choses. Mais moi, en attendant, je vais l'utiliser pour bien dormir. Fait que j'espère que ça va être full confort. Ouais, c'est ça. Puis c'est une housse. Tu peux enlever la housse. On va voir de quoi ça a l'air à l'intérieur. Mais tu sais, tu peux enlever la housse, la laver. Ouais, c'est ça. Tu sais, le coussin est comme. C'est ça. Fait que j'ai bien hâte de voir si je vais être bien là-dedans. Hein? Je pense qu'il y en a une autre qui va l'essayer aussi, hein? Fait que sur ce, moi, je vais fermer mon vlog. Clara va aller faire dodo, hein? Non. Oui. Tu vas aller faire dodo? Moi, je vais aller mettre une brassée dans la sécheuse, vider la sécheuse, blablabla. Ramasser un petit peu ce qu'il y a à ramasser. Et après, je vais probablement aller me coucher. Je suis fatiguée. J'ai manqué de batterie, ça a coupé. Bye!